Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Never imagine so strange or terrifying a story as that of the village of Midwich, England. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mercredi au cinéma, Juliette Berthaud ne manquait pas Le village des damnés, un film d'épouvante horreur réalisé par Wolf Rilla en 1960. C'est l'histoire d'une bourgade victime d'un phénomène surnaturel. 12 têtes blondes naissent au même instant avec des intentions particulièrement hostiles. Français, on est tellement arrogants, sérieusement, on croit tout savoir, on est donneurs de leçons, sérieux, tu le ressens ça. Jal revient avec un nouveau spectacle à Voiron, il se livre à cœur ouvert et entraîne le public dans un véritable hymne à la vie. Espièglerie est à voir mercredi et jeudi à l'Hexagone de Mélan. C'est l'histoire d'un fanfaron qui part en foire, d'une fille qui joue d'un instrument de fanfare. Jamie sème le chaos par ses jongleries à droitement gauche. Il défie la gravité, c'est un mélange d'art du cirque, de prouesses acrobatiques et d'humour. À voir dès 5 ans. À la rampe, mercredi et jeudi, ne manquez pas Vent debout, la quête de liberté d'une petite fille sous la forme d'une fable poétique. Difficile d'aller contre le vent pour ces personnages de papier. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.